Le président de l'eau des caves et de l'ONCAVE, monsieur le président des AEC, monsieur le directeur général de Global Sport, jeunesse sportive de Thiès, messieurs les représentants des écoles de football de Thiès, chers frères et sœurs de l'APR et de la coalition Benno Bokou-Yakar, camarades du COGER, population de la cité Ousmane Gom, population de Thiès, mesdames, messieurs de la presse, chers invités. Vous me permettrez de vous dire l'immense plaisir que j'éprouve de me trouver parmi vous en ce jour mémorable du 6 août 2016 sur le mythique terrain de Tundui pour participer à la finale de la première édition du tournoi des Tikendiaï Diop. Cette finale s'est jouée entre le Walidan et le Yonundam au lendemain du lancement des vacances citoyennes et organisée en partenariat avec Global Sport. Le tournoi a porté sur 8 équipes, Fayou, Tundui, Somme, Mbour 1, Yankhen, Koch Barma, Walidan, Yonundam, mais engage toute la ville. Mesdames et messieurs, le 29 mai 2016, ici, sur ce terrain, je disais, à ce même endroit, et dans mon discours de rentrée politique, je disais que j'allais mettre un accent particulier à la jeunesse en général et à la jeunesse thiessoise en particulier. En effet, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui sera notre patrimoine de demain. Et le sport constitue un facteur déterminant socio-économique. Il est aussi un facteur d'unité, un lien. Il permet de fédérer au-delà de ses vertus de santé avérées. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, a souligné à plusieurs reprises le pouvoir des manifestations sportives à unir les citoyens et les nations. Son Excellence, M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, accorde une grande importance à la jeunesse de notre pays, ainsi qu'au sport de façon générale. C'est ainsi qu'il a décidé de faire de l'année 2016 une année de la jeunesse et une année de l'emploi. C'est aussi la raison pour laquelle il a accordé 10 milliards de francs CFA à la jeunesse de notre pays et 3 milliards pour l'auto-emploi des jeunes dans le cadre de la loi des finances rectificatives de 2016. Il souhaite ainsi activer les vecteurs de transformation pour l'émergence que sont les jeunes. S'agissant maintenant du sport, il me plaît de rappeler le programme de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives, le Stade La Dior et celui de Manang Tchouaré en bénéficie. Et ceci constitue une parfaite illustration. Lors du dernier conseil interministériel, du conseil des ministres décentralisé consacré à la Légion de Dakar, le défenseur de la jeunesse et du sport, je veux nommer son Excellence le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall. Il a bien voulu décider de restituer le stade Hassane Diouf à la jeunesse. Alors, vous comprendrez aisément pourquoi j'ai décidé de m'inscrire en droite ligne à cette politique pour que la jeunesse et le sport thiessois soient renforcés. Je profite de cette finale pour mettre à disposition de chacune des 8 équipes qui ont participé à la première édition du tournoi des Tikendiaï un jeu de maillots, de paires de bas, de tenues pour les coachs, deux ballons. Un jeu supplémentaire sera offert d'ailleurs
à un AEC qui s'est distingué par son dynamisme, une AEC, je dirais, et je vais nommer l'AEC Cosmos, portant ainsi le nombre à 9. Le meilleur a gagné et personne n'a démérité. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans exprimer ma gratitude à Global Sport pour son appui combien important. Vous me permettrez aussi de remercier le ministère du Sport ainsi que tous ceux qui ont apporté leur soutien pour la réussite de cet événement. Un remerciement spécial au comité d'organisation et à tous les supporters. À mes camarades de parti, vous avez ici le ministre Tierno Alassane Sall qui a bien voulu, en honneur de sa présence, cette finale. Vous avez le directeur de l'ANAMO, Sidi Diakhaté, et tant d'autres. Mbabdou Mbaou s'est fait représenter, Docteur Ndiaye aussi, Ndeye Awambaye, Mimi à son représentant, Mimi, je dis Mimi, Malidien qui est là, le COGER est là, tout le monde est là. Et je remercie tout le monde, ce que j'ai cité, ce que j'ai omis. En tout cas, ça me va droit au cœur et je suis très contente de vous avoir autour de moi aujourd'hui pour cette belle finale qui a réuni de nos deux équipes, les deux équipes de notre localité. Je voudrais tout simplement dire merci du fond du cœur et vous dire à très bientôt pour un autre événement.